Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today we are on chapter 9 of the vocabulary course already. We are going to see les vêtements, clothes. In the book we are going from page 85 to 90 and we are doing all the exercises that are in chapter 9. So 9.1 to 9.7. And this is everything that we are going to see today. We have les vêtements, les vêtements d'été, les vêtements d'hiver, les bijoux, les accessoires, les chaussures, and les verbes. The first one that we are going to see today is les vêtements. So, les vêtements, we are going to see in general, and then we'll focus more into summer clothes and winter clothes. Let's see five verbs related to clothes. So, we have acheter un vêtement, essayer un vêtement, retourner, échanger, raccourcir. Un bas, une blouse, des chaussettes, des chaussures. Un bas, une blouse, des chaussettes, des chaussures. Une chemise, un jogging, une jupe, and un pantalon. Un pantalon. More for summer, we have une robe, un short, un t-shirt, and un top. Underwears in French are called les sous-vêtements. So for the bottom, we have un slip, un boxer, or une culotte. For the top, for the bra, we have un soutien-gorge, or une brassière. Three ways to describe clothes and how they fit. We have trop petit, too small, trop grand, or mal taillé. Parfois, c'est fatigant d'essayer les vêtements avant de les acheter. Parfois, c'est fatigant d'essayer les vêtements avant de les acheter. En ce qui concerne les chaussures, elle ne trouve pas de pointure qui lui convienne car elle a les pieds larges. That's already it for the first one. We have exercise 9.1 in the book. Now, les vêtements d'été, summer clothes. Let's see, three different slides of vocabulary, I think around 15. The first one is un bikini, une casquette, un chapeau, yes, thereby alphabetical order, un débardeur, une jupe, des lunettes de soleil, un maillot de bain, une mini-jupe, so we saw une jupe, now it's une mini-jupe, and une robe. Five more, une salopette, overalls. Une salopette, des sandales, un short, un t-shirt. And this one is always a little bit surprising. We have des tongs, flip-flops, des tongs. As usual, let's see everything in context with three sentences. Maintenant que l'été approche, la plupart des gens essayent de rentrer dans leur maillot de bain. Maintenant que l'été approche, la plupart des gens essayent de rentrer dans leur maillot de bain. Elle a perdu une de ses tongs. Elle a perdu une de ses tongs. La casquette qu'il porte est un cadeau de son frère. La casquette qu'il porte est un cadeau de son frère.
Exercise 9.2, you would have to list what you like to wear in the summer, what you don't like to wear in the summer. You have my answer at the end of the book. Now, les vêtements d'hiver, winter clothes. We are going to see 15 words and, of course, 2 sentences, I think, for this one. We are going by alphabetical order. Once again, we have un bonnet, les bottes, les chaussettes, socks, un collant, une doudoune, une écharpe, la fausse fourrure, les gants, here we have two for this one, un imperméable ou une parka. Many of winter clothing are made out of wool, so we have la laine, la laine, la laine, les mitaines, so those are the gloves that just cut, you know, les moufles, le polaire, un pull, and un pyjama. Two sentences. L'écharpe qu'elle porte est en fausse fourrure. L'écharpe qu'elle porte est en fausse fourrure. Il a toujours besoin d'une paire de cache-oreilles car ses oreilles deviennent rouge vif quand il fait froid. Il a toujours besoin d'une paire de cache-oreilles car ses oreilles deviennent rouge vif quand il fait froid. When you feel comfortable with the subject, you can do exercise 9.3. It's a little text when you have to choose the right word. Next one, les bijoux, jewelry. Like I just said, les bijoux, jewelry, une bijouterie, I added this one because it's so close to the vocabulary that it's better to learn it right away, une bijouterie, and we have une boîte à bijoux. Une boîte à bijoux. 5 different words of vocabulary for a ring. For a ring, we have une bague. Une bague. Une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles. This one doesn't match with the word bague, but we have une alliance. Une alliance. So it can be une bague en or. Une bague en or, une bague en diamant. Une bague en diamant. So that's for the rings. Now we are going to see for the watch. A watch is une montre. Une montre. A pocket watch. I don't know if anybody still uses this, but une montre de poche. Une montre de poche. Une montre numérique. A digital watch. Une montre numérique. Une montre de plongée, une montre de plongée, and finally we have either une smartwatch or une montre intelligente. Une smartwatch or une montre intelligente. Both work. You just have to say it with a French accent. The two last things that we have to see, it's all about bracelets and necklace. So un bracelet is very easy because it's spelled exactly the same way. Un bracelet. We have also un bracelet à breloques. Un bracelet à breloques. Des boucles d'oreilles. I forgot this one. Des boucles d'oreilles. Un collier for the necklace. Un collier and un pendentif. Un pendentif. Three sentences again. Le pendentif qu'elle a reçu de sa mère est la seule chose dans sa boîte à bijoux. Le pendentif qu'elle a reçu de sa mère est la seule chose dans sa boîte à bijoux. Sa bague de fiançailles est en diamant tandis que son alliance est en or. Sa bague de fiançailles est en diamant tandis que son alliance est en or. And one more. Elle adore porter des bracelets à breloques. Elle adore porter des bracelets
abreloque. Exercise 9.4, you have to choose the right word between two different words to place in a sentence, of course. Now, 10 words about accessories. Les accessoires. By alphabetical order, once again, we have un bandeau, un bonnet, une casquette, une cravate, des gants, we saw those ones, les moufles, we saw as well, les moufles, une pince à cravate, un porte-monnaie, un portefeuille, and un sac à main, un sac à main. Let's see a sentence. Quelqu'un a volé mon portefeuille, mais il était vide. Quelqu'un a volé mon portefeuille, mais il était vide. Very easy. Now you have the exercise 9.5. Now, les chaussures. Shoes. I divided this point into different points. For example, we have sport shoes, boots, etc. We'll see. It's 5 different points, I believe. And then we'll see a few sentences. You have more in the book, but I'm going to give the sentences for all the shoes at the end. So if we talk about just regular shoes, we are going to have des ballerines, des chaussures à talons, des chaussures de ville, des chaussures plates, so flat shoes, des escarpins, des mocassins, des chaussures compensées, des talons hauts, and for all of them, the shoe size is une pointure. Une pointure. So that's for the shoes in general. Now if you look specifically at boots, les bottes. Let's see a different one. We have des après-ski, des bottes, regular ones, des bottes à talons, des bottes à talons, des bottes de pluie, des bottes de ski, des bottes en caoutchouc, caoutchouc, des bottes en caoutchouc, des bottes en cuir, and des bottines. For les chaussures de sport, we have des baskets, des chaussures de randonnée, des chaussures de cyclisme, de vélo, des chaussures de cyclisme, de vélo. Of course, there are many, many types of shoes. Basically, every single sport has a different type of shoes, so that will be a lot of shoes. And 5 other type of shoes that didn't fit into the other categories. We have les espadrilles, I'm gonna put a picture on the screen just for you to see, les espadrilles, des pantoufles, des sabots, des sandales, and des tongs. Let's see 3 sentences. Elle s'est foulée la cheville en portant des talons. Elle s'est foulée la cheville en portant des talons. Je déteste marcher avec des bottes de pluie. Je déteste marcher avec des bottes de pluie. Je pense que les espadrilles se déchirent facilement. Je pense que les espadrilles se déchirent facilement. Now you have a little exercise at 9.6 for all the type of shoes that we saw. 9.6. Last point of this lesson, we have les verbes. We are going to see 15 different verbs related to clothing.
Oui, Eve. Acheter, acheter, se changer, serrer, serrer, commander en ligne, commander en ligne, se déshabiller, thereby alphabetical order once again, se déshabiller, or you can also say enlever, enlever, essayer, essayer, faire du shopping, so for us, faire du shopping is all about clothing, is all about fun purchases. It's not about food. But food is called faire les courses. Different. Next one. S'habiller. S'habiller. We saw this one. S'habiller. And then we have laver. Laver. Mettre. Mettre. Marcher for the shoes. Marcher. Porter. Porter. And user. User. Let's see three sentences as usual. We have de nos jours, je n'achète qu'en ligne. De nos jours, je n'achète qu'en ligne. Ce magasin offre de cirer les chaussures que tu as achetées chez eux. Ce magasin offre de cirer les chaussures que tu as achetées chez eux. Last one. Tu as essayé ce pull avant de l'acheter? Tu as essayé ce pull avant de l'acheter? Personally, I never try on anything and it never fits and I always have to go back. Okay, dear. Here you have once again a little exercise. This way you have to match two parts of the sentence to make one sentence. Exercise 9.7. That's it for today. On Wednesday, we are going to see everything about sports. So that's going to be quite a long lesson as well, but very interesting as always. So I will see you on Wednesday. À mercredi.